L'homme, dans sa vastitude rectiligne et conchoïdale, ne peut se définir dans la vastitude du monde. Il ne peut intrinsèquement être une seule ligne. La femme, oui, la femme doit le guider dans cet univers cosmopolite et cosmique de la Terre. Mais où l'homme a sa place, nul ne peut le dire, car la femme peut l'aider à trouver cette place. Mais comment définir cette place? Comment puis-je le définir dans moi, dans cette vastitude, dans mon esprit de l'homme? Taisez-vous, monsieur, taisez-vous, vous aussi, taisez-vous, et moi aussi, je dois me taire, taise-moi, je, bon sang!